Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas, chronique de NetTV. Merci à tous les abonnés, merci à ceux qui partagent les vidéos, merci aussi à ceux qui mettent les j'aime dans la vidéo ici, dans toutes les vidéos. J'espère que vous allez mettre aussi les j'aime dans la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. Abonnez-vous massivement à la chaîne ici du Connect Dinet TV. C'est la seule chaîne où il y a toujours des analyses objectives. Aujourd'hui, comme le titre le dit, j'irai juste droit au but. La performance de Inos B, que je vais détailler dans la vidéo ici, le savoir-faire de Inos B par rapport à Fally Ipupa. L'année 2022 qui vient de s'achever, oui, Fally a fait plus de concerts, à peu près 59 concerts, par rapport à Inos B qui a fait 29 concerts. Maintenant, on va faire l'évaluation. À combien ont coûté les concerts de Fally Ipupa par rapport au concert de Inos B? Le seul musicien qui a été invité aux États-Unis par les superstars du monde des showbiz américaines, c'est Inos B qui a été invité. Le musicien le mieux payé, le mieux rémunéré par les superstars des États-Unis, c'était Inos B avec 200 000 dollars par prestation. Il a fait une prestation à la valeur de 200 000 dollars américains. Ce n'est pas 200 000 francs français, ce n'est pas 200 000 francs congolais, 200 000 dollars américains, c'est Inos B. Quand les gens ont su que Inos B il va aller au secours, il va aller fêter Noël avec les déplacés de guerre, il y a les gens qui ont contribué, il y a des multimillionnaires américains qui sont aux alentours, qui sont entourés de Jennifer Lopez, de Ben Affleck, de Matt Damon. Tous ces gens-là ont contribué. Inos B a reçu la contribution à peu près de 1 million de dollars. 1 million de dollars de contribution juste pour assister Inos B. Ils ont donné 1 million de dollars pour assister à l'association, à la fondation de Inos B. Ça, c'est l'argent qui a été versé à Inos B. 1 million de dollars. À part l'argent qu'il a reçu des prestations de 200 000, on lui a donné 1 million de dollars. Maintenant qu'on va commencer à faire l'évaluation de chaque concert, vous connaissez bien le concert de Inos B. Chaque fois qu'il va à Guinée, il a toujours eu 40 000 à 50 000 dollars américains pour prester lui seul. Pendant qu'il fallait, tant qu'il fait la musique avec toute sa bande. Et puis, c'est un produit d'Electra. Ce qui veut dire que tout ce que Fally récolte partout, par-ci, par-là, n'a jamais été l'argent de Fally Ipupa. C'est l'argent de la promotion, de la production, de la maison de production Electra. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'est pour cela que j'ai hésité. Alors, pour être bref, pour être aussi correct, je vous dirai ceci. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas venir mentir sur les réseaux sociaux, dire que Fally a fait des millions. Il n'y a personne qui a fait plus que Inos B. Fally Ipupa, le concert qu'il a fait à Abidjan, il a été rémunéré à 15 000 dollars. 15 000 dollars, Fally, il a été rémunéré à 15 000 dollars. Les 15 000 dollars donnés, prenez pas 60% qui va aller à la maison de production. Lui va voir 40%. 40% de 15 000 dollars, c'est combien? Et puis les 40% là, il va les partager avec avec toute son équipe. Donc, pour vous dire que quand on parle, quand vous voulez amener les problèmes de l'argent, les problèmes de l'argent de production, il faut savoir que Inos B, il est autoproducteur. Inos B, ce n'est pas produit de quelqu'un, il est son propre produit. L'argent que Inos B reçoit, c'est son argent propre. C'est pour cela que vous aviez vu les réseaux, partout dans les réseaux, sur des journaux, ils ont dit que la valeur de Inos B, le net, valeur nette de Inos B de 2022 est
à peu près de 5 millions de dollars. Seulement l'année 2022, 5 millions de dollars. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les réseaux et les médias qui ont évalué l'argent que Inosbi est en train de ramasser par-ci, par-là, grâce à son savoir-faire, grâce à son métier. Alors, il ne faut pas nous amener des hérésies sur les réseaux sociaux pendant que nous avons tous les réseaux sociaux, nous avons des plateformes, nous voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Des bandits qui fallait à initier sur les réseaux sociaux pour toujours déformer les informations. Nous sommes ici pour vous donner les vraies informations. Moi, je suis là pour vous donner les vraies informations. Pendant que Inosbi a fait le plein au Kindu Maniema, le monsieur qu'on a toujours appelé le monsieur créateur, l'homme de la créativité, l'homme qui sait comment faire la musique, l'homme qui a amené un plus dans la musique congolaise, dans la musique africaine, l'homme qui a imposé son savoir-faire. Pendant que les musiciens, tous les musiciens congolais sont toujours derrière la rumba, derrière les sebens. Mais lui, malgré la rumba qu'il a mené, lui aussi il a fait la rumba, il a fait des chansons comme Mir, des chansons comme, il y a beaucoup de chansons, Top Model. Mais à part la rumba, il a fait aussi des génériques dansantes comme Yopé, des chansons comme Mortel 6, avec Maboko Milaï, ce sont des génériques. Mais il a imposé un autre style dans la musique congolaise, Afro-Congo, des choses comme Ozobe Tamabe, des chansons comme Meme, des chansons comme Abed Achour, des chansons comme l'album Mortel 6. Écoutez les chansons, vous comprendrez la grandeur artistique de Inosbi. Quand je parle de Inosbi, je ne parle pas parce qu'il a fait de l'argent, mais parce qu'il a un savoir-faire. Il sait ce qu'il fait. Il est dans le métier qu'il conçoit très bien. Ce n'est pas comme Fally Ipupa, un parvenu de la musique. Il ne sait même pas comment il est devenu musicien. Il était un petit danseur, un petit mandia. Mais il est venu devenir musicien. C'est lui maintenant qui achète tous les médias congolais au détriment de tous les musiciens congolais. Il fait tout pour passer les messages mensongers, pour qu'on puisse parler que de lui, pendant qu'il y a des musiciens qui font de la bonne musique que lui. Nous avons l'album, Formule 07. Je vais vous détailler l'album là dans quelques jours. L'album, elle est là. Quand vous la comparez avec l'album de Légende de Koffi Olomide, il n'y a pas match. Fally n'a même pas atteint les pieds de Koffi Olomide, puisque Koffi Olomide, c'est le prêtre de tous les prêtres. C'est le véritable musicien congolais qu'on n'a jamais eu de génération à génération. Il est le seul. Le jour va partir. Je ne sais pas si on aura encore un musicien du talent comme Koffi Olomide. Mais tellement que Fally a acheté, il a payé, il a acheté tous les youtubeurs des Congolais, il ne parle même pas de l'album de Légende. Il ne parle pas de l'album Légende de Koffi Olomide. Ils sont toujours là en train de fourrer les gens avec des mensonges, avec des informations qui ne sont pas à la une. Mortel Zéro, n'est-ce pas, Formule 7, c'est un album qui a presque raté. Il y a de belles chansons, oui, certes, mais pas au niveau des chansons de Légende de Koffi Olomide. Il y a le générique Formule 7 qui n'est même pas au niveau de Maboko Milaï de Inosbi. Quand on met la chanson comme la chanson Formule 7 générique, on met la chanson de Inosbi qui vient de sortir, vous allez découvrir vraiment les capacités, l'inefficacité de Fally Ipupa face à Inosbi. Quand on met les deux face à face pour performer les travaux, pour faire le travail, vous allez voir que Fally il est dans une perte de vitesse totale. Pendant que Inosbi, il est dans une vitesse de croisière. Il est en train de monter. Il est dans le décollage. Pendant que Fally, il est dans les titubements. Il est en train de titiber. Il est en train de tomber à chute libre. La force de Fally Ipupa est dans les mensonges. Sans les mensonges, le Fally Ipupa sera rien. Un monsieur comme, je ne sais pas, comment on l'appelle? Camille Makoso, qui n'a jamais compris la musique, il ne connaît pas la musique, il est toujours là pour mentir les gens, il est aussi là au détriment
de d'autres musiciens, juste au profit de manger, au profit de nourriture. Mais nous qui sommes là pour défendre la valeur artistique des musiciens, pour défendre la valeur de la bonne musique, nous allons toujours vous donner les belles informations et des bonnes informations. Et au moment opportun, laissez ces gens-là insulter les gens. Mais la réalité est que Inosubi, c'est un musicien par excellence. C'est un musicien qui sait faire le travail. C'est un musicien qui sait chanter, qui sait danser, qui a un public fou partout en Afrique. Vous allez au Gabon, les gens chantent Inosubi. Vous allez à Côte d'Ivoire, les gens chantent Inosubi. Vous allez au Tchad, c'est Inosubi. En Afrique du Sud, c'est Inosubi. Alors au Congo, n'en parlons pas. Au Nigeria, c'est toujours Inosubi. Mais Fally Telema, il est Moté Mamabe, comme on l'a toujours dit. Il impose les mensonges dans les médias. Il impose des mensonges partout sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse croire que c'est lui qui est le meilleur. Pendant que ça, c'est comme les mensonges qui viennent avec assassin. Mais la réalité vient toujours avec des escaliers. La vérité vient doucement, doucement. Aujourd'hui, la vérité est mise à nu. Qui est meilleur entre Fally et Inosubi? Tout le monde peut dire. Aujourd'hui, on a vu les formules 7. On voit aussi Maboko Milaï. Qui fait de la bonne musique? Qui fait les bons sons? Qui fait de bonnes qualités d'image? Qui chante? Qui nous donne les messages dans des chansons? C'est Inosubi. Dans la chanson formule 7, Maboko Milaï, Inosubi nous a parlé de la bonne conduite. Il faut avoir de la bonne conduite dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que ce soit dans la politique, dans la situation économique, dans la situation sociale, à l'école, partout, dans tout ce que vous êtes en train de faire, il faut avoir une bonne conduite. Est-ce que ce n'est pas un bon message? Oh, na lobaka. Est-ce que ça, ce n'est pas un bon message? Inosubi, tu es dans les bons. Au thème, puisque tu sais nous trémousser, tu sais comment véhiculer ton message à partir des chansons. Et puis, tu nous donnes les chansons, les messages au moment opportun. Aujourd'hui, on est presque aux élections. Il faut tu fais déjà un appel aux politiciens d'avoir une bonne conduite, de se comporter bien vis-à-vis de la population. Est-ce que Inosubi n'est pas quelqu'un à féliciter? Est-ce que Inosubi a fait du mal à nous donner de telles chansons? Vous allez combattre l'étoile qui n'est pas à combattre. Inosubi n'est pas une étoile à combattre. C'est une étoile filante. C'est une étoile par excellence. Quand Koffi Olomide dit que Inosubi, c'est notre Michael Jackson. Mais des petits youtubeurs ici qui vivent derrière les nombres de vies, qu'est-ce qu'ils vont nous convaincre avec? Il n'y a rien. Puisque quand la légende parle, un petit youtubeur, qu'est-ce qu'il a à démentir? Si ce n'est que pour satisfaire seulement son petit Fally. C'est pas. On est là. À la prochaine.